Ben, ça s'est bien passé, puis on est quand même dans un lieu un peu particulier aujourd'hui, qui est donc le Cosmodôme de Laval. Et la scénographie, c'est vrai que c'est un élément important en fait de votre identité musicale. Et on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui. Et donc le retour de Saturne, dont on a eu l'exclusivité aujourd'hui. Donc déjà, merci pour ça, parce qu'on se sent tous et toutes privilégiés. Donc merci beaucoup. Donc qu'est-ce que ça vous a permis, en fait, créativement parlant, d'être dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui? Moi, je dirais qu'avec l'année étrange qu'on a eue, ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait de concert. Donc, je dirais que pour, comme on dit au Québec, casser un show, pour faire le show pour la première fois au Cosmodôme, c'est quand même un énorme cadeau. Ça aide à y croire un peu. Ben, exact. Ouais. Mais ceci étant dit, ben non, c'est vraiment beau. C'est vraiment une belle place. Ben, chaque lieu participe. Il faut que tu te dois de te fondre un peu à ton... Donc, encore une fois, c'est un mécanisme qui va de soi puis qui opère idéalement. Puis ça l'a opéré. Ouais, c'est beau, c'est le fun. Ouais, c'est un endroit assez magique. Ça l'a accentué peut-être le côté épique de certaines chansons. Puis ça a pu aider à imager un peu le... Parce que c'est quand même une musique, on espère que ça... Que les gens ont des visions quand ils écoutent nos chansons. C'est pas de la musique pour se grounder nécessairement, c'est plus pour rêver. Oui. Mais je pense que vous nous avez permis de rêver un petit peu aujourd'hui. Donc justement, est-ce que si on parle un peu plus de l'album, donc le retour de Saturne, est-ce qu'il y a un concept derrière? Est-ce que c'est plus un fil conducteur? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet album? On a découvert le concept un peu... Non, ça, c'est un peu c'est dans ma tête là, que je vois une trame narrative, mais je me mettrai pas à l'expliquer parce que c'est un peu... Ça serait trop long. Ouais, mais... Non, ben après ça, s'il y a un concept... Oui, il y a clairement un concept dans le... On serait... on est deux jeunes orphelins d'un monde dystopique... Bien à la mode ces temps-ci, les mondes dystopiques là, dans le cinéma et dans la culture populaire en général. Donc c'est ça, ouais, c'est ça, dans ce monde-là, le rock serait mort et ça aurait été censuré par l'État. OK. Puis on aurait découvert des vestiges, des photos... Des reliques du rock, puis on essaierait de se le réapproprier. Ben avec les outils électroniques qui sont juste accessibles dans cette à notre ère. Pour ça que, puis après ça, on s'est fait des costumes à l'aide de déchets ou de... Ouais, c'est un peu ça, là. Puis là, c'est ça. Au final, c'est vraiment ça. Selon moi, on fait du rock. C'est du rock des... Paupières, ça a toujours été du rock. On parle de synth-pop, puis on parle de beaucoup de claviers, mais les claviers, au final, ils font ce que tu leur demandes, puis c'est... Mais c'est vrai que dans l'esthétique, moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'on imaginait avec Starmania. On aime ça. Ne pas confondre avec Star Academy, hein, tout le monde. Mais oui, absolument, ouais, complètement. Ouais. Si ça se trouve, on va aller encore plus dans la comédie musicale, puis dans la performance. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est justement cet aspect. Enfin, je veux dire, il y a de la danse, il y a du jeu théâtral aussi qui accompagne. Donc, on s'approche un peu d'une œuvre d'art totale. Et je me demandais, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez continuer à développer? Oui, absolument. Moi, je pensais jamais faire partie d'un groupe dans ma vie. Finalement, ça fait maintenant 8 ans que je fais partie du groupe Paupières. Mais moi, de vraiment pousser le côté multidisciplinaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis de développer l'univers visuel qui accompagne les chansons pour amener un second ou même troisième degré à ce qu'on fait qui reste... Oui, du rock, oui, de la chanson, oui, de la pop, mais
d'avoir notre propre univers. Là. Je nous considère les deux des non-musiciens. Malgré le fait que je joue de la batterie plus longtemps, je me suis toujours senti plus non-musicien. Je m'affilie plus aux non-musiciens qu'aux musiciens académiques qui parfois sont pas nécessairement, ont pas une vision artistique de la danse d'ensemble. On fonctionne plus à l'instinct, finalement. Ouais, puis on compose aussi comme... De là, le côté imagé que je parlais tout à l'heure, qu'on compose avec des émotions. C'est vraiment les émotions qui dictent les compositions. Puis... Super. Après, j'ai quelques questions à vous poser qui sont peut-être un peu plus légères, dans le sens un petit peu moins en lien avec votre album directement, mais peut-être un peu plus vos goûts musicaux, finalement. Donc, à savoir, tantôt, on parlait de monde dystopique. Donc, si vous aviez une musique de film ou de série de science-fiction qui vous a marqué et que vous aimeriez partager, ce serait laquelle? Et moi, récemment... malheureusement, je me souviens plus du nom du film. C'est avec Nicolas Cage, mais c'est Colin Stetson, qui est un musicien montréalais, qui a fait la trame sonore que j'ai trouvée excellente. Le film, j'ai pas trippé tant que ça, mais la musique était incroyable. Je me souviens juste d'un moment vraiment super effrayant que le père dit à sa fille « Come feed your mother », c'est tout ce que je peux dire. Mais Colin Stetson a fait vraiment de la belle musique. Voilà. Ça, c'était... Ben, tu sais, une bonne musique de film, tu le remarques pas, idéalement. Mm-hmm. C'est sûrement que je l'ai pas remarqué, mais... Il y a pas beaucoup de bons films dystopiques non plus, hein. Dans le sens que c'est un genre qui est massacré beaucoup... Mm-hmm. Oui. Dans les zones plus ombrageuses de Netflix, il y a des petits bijoux de série B. De citron. Ouais. super. Si vous deviez emmener un morceau dans l'espace, lequel ce serait peut-être... Une chanson? Ouais, une chanson, pardon. Dans l'espace? Ouais. Honnêtement, moi, ça m'intéresserait pas vraiment d'aller dans l'espace parce que je pense que je serais trop claustrophobe pour y aller. OK. Donc, si j'avais quelque chose à amener dans l'espace, dans une vraie navette, ça serait comme un audiobook contre l'anxiété, genre. Quelque chose comme ça. OK. Allez, avec Echoes de Pink Floyd. OK. C'est un 20 minutes, fait que c'est quasiment un album, tu sais. C'est quasiment... J'ai le frisson à chaque fois, fait que j'aurais un frisson garanti jusqu'à la fin pour des temps. Pour le voyage. Et ensuite, si vous deviez vous associer... parce que le groupe, il y aurait peut-être la réponse facile de Saturne, mais en tant que personne, en tant qu'individu, si vous deviez vous associer à une planète ou à un corps céleste, lequel ce serait et pourquoi? Y aller avec Mercure. OK. Parce que je suis dur d'approche. Là. Gêné. Elle est aride. Est-ce que tu veux qu'on aille lire les petits trucs autour des planètes pour être sûr de je l'ai déjà lu. De ton... Okay. J'ai l'impression de lire ta biographie. Je trouve qu'on a la même peau. Toi, c'est... Moi, j'aurais envie de dire Pluton parce que c'est la plus loin. Puis j'ai un côté dans la Lune, comme un petit peu... Je me sens un petit peu loin parfois de... La réalité, fait que je me sens... Tu serais peut-être comme une... C'est même plus une planète. Même plus une planète. Je suis même plus une planète. Bon. Super. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci pour cette superbe prestation. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci.